bonjour et bienvenue dans les meilleurs moments des animés du printemps 2017, semaine 7. A priori, chaque semaine, je sortirai une vidéo de ce genre, regroupant des passages cool, sympas des animés de cette saison. Parmi ceux que je regarde, évidemment. Allez, on commence direct. Oh, bien entendu, risque de spoil. Et il ne s'agit pas d'un classement au cas où. Atom the Beginning est la scène où Six arrête le camion qui s'apprête à percuter un bus avec des enfants à l'intérieur. Une scène plutôt cool qui montre que le robot peut avoir le sens du sacrifice. J'en pleurerai presque. Tsukiga Kirei avec la scène de fin, quand Akane avoue à son ami Shinatsu qu'elle sort avec Kotaro. Là tu sens que ça va être le début des complications, voire peut-être la fin d'une relation. En tout cas, la lune s'obscurcit. Et ça va partir en gifle tout ça. Shingeki no Bahamut Virgin Soul. Mappa a répété l'opération et comme dans la première saison, on retrouve une scène de danse délicieuse pour les yeux avec une musique perfecte aussi. Grand Blue Fantasy et le combat contre Colossus avec un mélange 2D 3D pour Colossus vraiment solide. Lyria qui peut buffer tous ses compagnons avec le pouvoir des bêtes originelles, c'est pratique en combat. Même si personnellement dans les MMO j'évite de jouer le rôle de celui qui buff, car c'est chiant. Boruto's Next Generation avec le teamwork entre Mitsuki, Boruto et Shikada et contre Shino avec de très bonnes séquences d'animation. On a eu la démonstration de nouveaux jutsu de Mitsuki. Putain, Shikadai, c'est quand même le portrait craché de son père, à part peut-être les yeux, en plus d'avoir hérité de son intelligence. Suka, avec la scène où Willem rappelle qui c'est le plus fort, en balançant des piécettes dans la gueule des chevaliers de l'annihilation révolutionnaire. Enfin, pour moi, ils ressemblent plus à des animaux domestiques. En parlant d'animaux domestiques, on enchaîne avec Reinai Bokun et la confrontation entre Akane et Stolas le manchot. Et j'aime bien comment ils accentuent le fait qu'il parle avec son regard. Maintenant, vous ne verrez plus jamais les manchots de la même façon. Recreators et la deuxième partie de l'épisode avec les questions existentielles sur ce qui est juste, pas juste, la différence entre tuer quelqu'un par plaisir ou non, tout ça sur un fond de Sawano. Si vous voulez réviser pour vos cours de philo, regardez Recreators, Mao no Sho, la confrontation entre Zero et 13, entre un nombre pair et impair. Cette séquence a donné naissance à un nouveau mème sur le net. Hero Manga Sensei, avec l'espèce de rendez-vous entre Masamune et Elf. Le moment où ils sont au resto et qu'ils tapent la discussion sur les chiffres de vente et sur Senju Muramasa. Le passage Tsundere a fait fondre mon petit cœur fragile. Rokudenashi, les retrouvailles entre l'arène et Rumia. Glenn avait besoin de son arcane du fou pour empêcher que la malédiction du collier s'active. Les musiques de Hiro Aki Tsutsumi sont vraiment cool aussi durant cette scène. Empêcher l'incantation d'un sort c'est bien, mais avoir un stand c'est cool aussi. Sword Oratoria avec ce moment. La meilleure scène. Non, je déconne. Surtout c'est avec l'apparition de l'antagoniste qui s'était dissimulé via l'apparence du mec en armure complète. Des fights plutôt cool et qui nous rappellent que Finn en a dans le pantalon. Plus que moi à son âge, Boku no Hero Academia. Il y a deux scènes, celle avec Midoriya et celle avec Shoto. Mais la scène que j'ai retenue le plus c'est le combat Midoriya-Shinso. Hayashi Yuki nous fait part du nouvel OST qui fout la pression sur notre cher Midoriya. On en apprend plus sur Shinso également. Et paf, Midoriya nous ressort sa prise de judo qu'il avait déjà sortie contre Bakugo. Et après ça, Shoto nous fait un petit changement de saison en plus de one-shooter Zero. C'est pas grave. Et enfin, Shingeki no Kyojin. Tout l'épisode 7 en fait. Il n'y avait pas un seul instant où je n'avais pas la bouche ouverte et qui pendait comme un mongol. J'ai failli perdre ma mâchoire, vous savez. Le highlight reste quand même la prise de Annie par Eren sur Reiner. Et à la fin de l'épisode, j'étais comme ça. Maman, j'ai joué. Voilà, et c'est tout pour la semaine dernière. Dites-moi dans les commentaires quels sont les moments que vous avez préférés. Ce sera tout pour moi et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est simple. Les séquences choisies ne sont dues qu'à mon appréciation personnelle. Vous pouvez retrouver les animés ici, ici, ici et ici. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.